Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, enfin on va dire ça comme ça. Je vais présenter mon jardin tout simplement. Puis ma petite brouette évidemment, une Nutivolf Portax. Donc voilà, ça coûte peut-être cher, mais ça vaut le coup, c'est, elle est étanche, faut le savoir. Les roues, ils sont, c'est des roues pleines, donc ça veut dire qu'ils sont increvables. Vous avez le petit porte-outil. Évidemment, c'est que pour les outils Nutivolf. Et donc voilà. Puis je crois que la contenance de la brouette a fait 70 litres, un truc comme ça. Bon, enfin bref. Là, vous avez mon petit coin aromatique. Bon, pour l'instant, là, c'est pour labourer. Enfin, c'est vrai que je passe à motobineuse. Voilà, là, c'est mon romarin. Le thym commun. Là, il y a des petites fleurs. Je sais pas ce qu'ils foutent là, mais. Là, mon persil, enfin la ciboulette, le. Ah, j'ai deux pieds de romarin, moi. Ah non, j'en ai quoi. Enfin bref. Là, voilà, là j'ai vendu du fumier. Là, vous allez me dire, qu'est-ce que t'as mis, Matt? Eh bah oui. En fait, c'est de la camomille. Vous en plantez un pied, et voilà, ça en met partout. Donc, ça fait des petites fleurs blanches. C'est joli. Bon, par contre, c'est envahissant, mais bon. Voilà, j'en ai beaucoup. Donc, c'est pas de la mauvaise herbe, pas du tout. J'ai un pied de rose trémière. C'est comme un rosier qui ne pique pas. Et la fleur, évidemment, elle est pas pareille. Ça, là, il y a. Là-dedans, je sais plus comment ça s'appelle. C'est... Enfin, bref, ça ferait qu'une journée. Voilà. Donc, là, mon fameux châssis que j'ai fabriqué tout seul. Il faut le savoir, ça, oui. Oui. Donc, là, j'ai du buis qui a été bouturé. Là, de la salade. Oh là là, qu'est-ce que ça fout là? Il y a eu un petit. Oh là là, putain. Bon, toutes mes salades sont crevées. Ah non! J'en ai eu qu'une. Bon, ça va. Donc voilà, mon petit châssis que j'avais rentré dedans avec le tracteur tondeuse. Paf, là, je donne un gros coup, là. Bon, maintenant, c'est plus très stable. Hein, comme vous voyez. Encore mon chat, puis je sais pas ce qu'il y a. Donc là, vous allez me dire, qu'est-ce que t'as mis? En fait, c'est de la tonte de gazon qui a pourri un petit peu. Bon, allez, vraiment, t'es bien gentil, mais tu gênes un petit peu. Donc voilà. Là, vous avez mes fleurs. Donc, j'en ai pas semé. J'en avais semé la dernière, et puis, ils se sont... Pendant l'hiver, il n'y avait plus rien. Puis il n'y avait plus que de l'herbe en fait. Et puis là, il y avait un peu d'herbe, il faut que je désherbe. Mais sinon, il y a des belles fleurs. Enfin bref. Là, je vais faire. Je vais semer du gazon pour faire une petite allée pour être dans mon jardin. Tout ce que je vous montre, c'est comme mon jardin à moi. Là, c'est mon orge. Enfin, mon avoine, excusez-moi. Là, j'avais voulu faire une allée par là. Mais non, en fait, j'ai pas fait au milieu. Là, pareil, il faut que je passe la motobineuse. Donc voilà, là j'ai des tulipes dans le fond. Bon, par contre, ils sont pas très belles. Bon, ils sont défleuris. Hein. Voilà. Donc là, je vais semer mon maïs. Là, mes tomates. Attendez, la grande sœur, c'est pas à moi. Mais je vais vous montrer les tomates quand même que j'ai semées. Donc voilà, mes tomates. Ils sont ici. Donc j'ai juste de les replanter. C'est chaud. Après, il faut que je les arrose. Donc voilà. Bon, donc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, puis n'hésitez pas à liker, commenter, puis abonnez-vous, hein. Surtout j'ai fait cette vidéo là parce que ça me faisait plaisir. Salut, bye tout le monde.